Salut, je m'appelle Olivia et je joue pour l'école secondaire Montbleu avec l'équipe des Panthers et je suis numéro 3. J'ai commencé à jouer au basket cette année au début de la saison avec plusieurs de mes amis parce que je trouvais que ce serait un bon sport à apprendre, à m'améliorer et pour juste avoir du fun aussi. Et il y a aussi mes sœurs et mes frères qui jouent au basket, donc ça m'a un peu inspirée. Un des moments les plus stressants que j'ai vécu lors de mes games, c'est lorsque je volais la balle à l'autre équipe et je devais aller faire un panier. C'était un open layup s'il n'y avait personne. Et ça me stressait parce que je ne voulais pas manquer, sinon ça serait comme gênant. Une des réalisations que moi et mon équipe, on est le plus fiers, c'est que la moitié de notre équipe, en fait, on a commencé le basket cette année et on est des cadets, on joue dans la Ligue des juvéniles. Et là, on sera en finale la semaine prochaine. Toutes les autres équipes, ils jouent depuis longtemps, puis nous, on vient de commencer, puis on les a battus. On est vraiment fiers de ça et qu'on a pu se run aussi loin en peu de temps. Après ce match que je viens de jouer, je me suis sentie quand même fière de moi parce que j'ai quand même fait des bonnes passes et des bonnes assists à d'autres joueuses. Donc je me sentais vraiment fière de ça. Une des phrases qui me donne la force en mes moments de fatigue, ce serait Daniel 10:19. Ne crains de rien car je serai avec toi. Je parle de la force et du courage et comme de la persévérance. Ça m'encourage à comme continuer parce que je sais que comme Dieu est avec moi et que je peux tout faire. Des commentaires pour le match? On est trop dead, on n'a pas perdu une seule game. On est trop bonne, number one. Des commentaires pour votre match? On allait gagner de base. Oh, on a trop dead. Number one. La médaille pour elle-même, ça. Yeah. Moi, je savais qu'on allait gagner là, ça.